And I now give the floor to Mr. Mohamed Chamba. Floor is your excellency. Thank you, Your Excellency. Mr. President, distinguished members of Council, I'm honored to be here today to brief you on the latest report of the Secretary General on the activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel, UNOWAS. Nommé depuis le 12 septembre 2014 par M. Ban Ki-moon comme représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, UNOWAS, M. Mohamed Ibn Chambas, né le 6 décembre 1950, est un avocat, homme politique et diplomate ghanéen. Il jouit d'une longue et riche carrière au sein des institutions gouvernementales et internationales. Il est titulaire de diplômes universitaires en sciences politiques de l'Université du Ghana, de l'Université Corneille, ainsi que d'un diplôme universitaire en droit de l'Université Case Western Reserve à Cleveland, dans l'État d'Ohio, aux États-Unis d'Amérique. Il commence sa carrière professionnelle par la profession d'avocat au Ghana et dans l'État d'Ohio. C'est avec le statut de député que M. Chambas marque son entrée en politique. Avant d'entrer au gouvernement en tant que ministre adjoint des Affaires étrangères du Ghana en 1987, et ministre adjoint de l'éducation chargé de l'enseignement supérieur de 1997 à 2000. Monsieur Chambas a été le premier président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de 2007 à 2010. De 2002 à 2006, il a été secrétaire exécutif de la même organisation. Il occupe respectivement, en novembre 2009, les postes de secrétaire général du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP, et en avril 2013, représentant spécial conjoint de l'Union africaine et de l'ONU pour le Darfour et chef de la MINUAD opération hybride de l'Union africaine et des Nations unies au Darfour. Il s'est impliqué depuis 1991 dans les efforts de médiation de la CEDEAO au Libéria. Il a également été membre du groupe d'action ministérielle du Commonwealth qui a travaillé pour faciliter une transition à la gouvernance démocratique et constitutionnelle au Nigeria, en Sierra Leone et en Gambie. En Côte d'Ivoire, M. Mohamed Ibn Chambas a été au cœur de plusieurs missions de négociation et de prévention des crises électorales. Le 28 septembre 2020, Son Excellence M. Ibn Chambas était en mission préélectorale en Côte d'Ivoire. Il a exhorté les Ivoiriens à agir en synergie et en concertation pour préserver l'unité et la paix. Le 7 octobre 2020, Son Excellence M. Mohamed Ibn Chambas faisait partie de la mission conjointe de solidarité de haut niveau de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies, ONU et du Conseil de l'Entente en vue de la promotion d'une élection présidentielle crédible, transparente et pacifique en République de Côte d'Ivoire. Le 30 janvier 2021, le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel était encore au rebond pour encourager les Ivoiriens à saisir l'opportunité des élections législatives pour renforcer la paix et préserver l'unité de la Côte d'Ivoire. Le rappel de ces quelques actions ne représente que l'illustration de plusieurs années de travail acharné, de missions de prévention des crises d'encouragement et de maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, la Côte d'Ivoire vous témoigne ce jour sa gratitude et reste convaincue que partout où vous serez, vous œuvrerez inlassablement à améliorer l'environnement social et politique en vue de la consolidation de la paix dans notre pays.